Merci à la jeunesse. Merci beaucoup. C'est l'une des photos que j'ai aimé pour vous parmi les quatre. Merci beaucoup, que Dieu vous ouvre les portes. Aujourd'hui, je te demande de ne pas regarder l'heure. C'est une histoire qui fait sortir et quoi? Regardez votre nom. C'est le grand risque que je prends et j'assume parce qu'il y a un Dieu derrière moi. Qui a dit amen? Ma soeur me disait quelque chose. Elle dit par moments quand il y a des actions comme ça, elle a très peur pour moi. Je lui ai dit, prie pour moi, il ne faut pas avoir peur. J'ai reçu un mandat et je marche dans ce mandat. Dieu m'a donné ce grand mandat. Gloire à Jésus. Où est mon fils qui a mis le témoignage en disant son collier est tombé? Viens, je vais te faire offrande. Tu as vu quelque chose qui doit arriver. Tu vois l'assemblée que tu as vue, tu ne pouvais pas t'approcher, c'est ma nouvelle église. Il y a un don en lui, quand il rêve, ça arrive. Effectivement, quand il rêve, ça arrive. Le monde qu'il a vu, il était nombreux? D'accord. C'est ma nouvelle église. C'est ma nouvelle église. 10 000 places assises. 5 000 en bas, 5 000 en haut. Donc quand je regarde, je n'ai pas encore fait le cas du service. Donc, je crois, Dieu est fidèle, ça ira toujours. Accompagnons ces motifs. La maison ne peut pas brûler.
Félicien était dit pour être riche, il faut aller dormir au cimetière pendant une semaine. Les gens sont prêts. Mais si Dieu te dit, va prendre ton temps jusqu'à 14h, pourquoi tu n'es pas prêt? Sincèrement, le plaisir que moi j'ai pu avoir sur la terre des hommes, c'est quand les gens ont témoignage. Vraiment, je l'ai dit, qui suis-je pour que Dieu m'utilise dans la vie des hommes? Qui suis-je pour que l'homme me considère femme? Ça, ça me fait plaisir. J'étais une fois sur côté, il y a une dame qui pleure. Elle pleure bien vers moi avec un enfant. Son mari est dans les rayons. Elle appelle son mari, viens, viens, viens. Le monsieur vient à la fin en train de pleurer, enfant, l'enfant vers moi. La croix en arrière, je me suis dit, mais ça c'est quoi ça aujourd'hui? Au bout de 17h, elle dit à son mari, il y a longtemps les cherche le monsieur. On a fait une cent de mariage sans enfant. Chérie, voilà le monsieur qui a prié pour moi là. Le voilà. Tu m'as dit que je vais prendre grossesse. Voilà l'enfant. Ça, je n'ai jamais oublié ça. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir. Le deuxième témoignage d'enfantement, c'est la femme de l'homme que ces deux trompes. Elle n'a pas de trompe. Tu te souviens? Elle a témoigné ici. Elle n'avait pas de trompe. Quand elle prophétisait qu'elle va avoir un enfant, elle a pensé à rire. C'est une femme à rire. Elle a dit, on dit le monsieur à voir que pour moi, il n'a pas vu. Parce que la médecine a coupé mes trompes. Je lui ai dit, madame, je ne suis pas pasteur, moi je suis prophète. Tes trompes qui étaient coupées m'ont repoussé aujourd'hui. Quand j'ai prié, elle est tombée, elle a fait des jumeaux. Amen. Merci. Et cette histoire, quand je me baladais un peu dans la Bible, que j'ai pu
voyez, il va agir dans ta vie. Tu vas bénir la puissance. Et puis la quitté de là. Le gars, par exemple, n'avait pas confié en voyant le plan avait fait cash. Donc tout le monde pensait qu'il était mort. On l'a jeté en prison. Il a souffert. Tous les avocats qui se levaient devant son dossier, on les tuait. Alléluia. Et aujourd'hui, cette histoire peut être de façon physique, on voit l'histoire, mais de façon spirituelle, l'ennemi a bien fait tout sur ta vie. Il a bien un pardon sur ta vie. Au point de tout ce que tu fais avant, si quelqu'un te
bénit la gloire de la dernière maison. Ça veut dire qu'il y a un dernier programme. Ce que je sais, quand il me passe Daniel, pourquoi tu prêches le message des dernières maisons, un plein janvier? Parce que janvier, c'est le premier. Apparemment, pour qu'il y ait premier, c'est qu'il y a eu un dernier. Les gens ont commencé par faire, ils ont commencé par te détruire. Mais ce qui me réjouit, dis-moi ce qui me réjouit. Ce qui me réjouit, c'est que 2015 est fini. A dit pardon aux anges, faisons l'homme à notre image
ça, ils se sont levés et ils ont commencé à attaquer l'homme. Dieu a commencé à faire la campagne de l'homme. C'est pour cela que je suis venu dire ce matin à quelqu'un. Donc parce que Dieu, en 2016, est en train de faire ta campagne, tout sorcier de ta famille sera obligé de te rendre. Cette sorcière qui est assise, ce sorcier qui est assis ici, la bénédiction de ta famille, sera obligé de te voter. Lorsque Dieu permet que tes ennemis te votent, ta vie avance. C'est pour cela, en cette année 2016, ta vie n'ira pas en reculant, mais ta vie commencera à avancer. Genèse 11, le verset 27. La Genèse. Et puis tu lis aussi Genèse 31, le verset 10. Genèse chapitre 11, à partir du verset 27. Oui. Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abraham, Nachor et Aram. Aram engendra Lot. Oui. Maintenant, prenons Genèse, le chapitre 31, à partir du verset 10. Au temps où les brebis entraient en chaleur, la Bible dit qu'au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai mes yeux, je levai mes yeux, et je vis en songe, et je vis en songe. Comment quelqu'un qui est debout, qui lève les yeux, et puis songe, oui, t'acheter, et marqueter. Et ma cousine. Et l'ange de Dieu me dit en songe. Et l'ange de Dieu me dit en songe. Jacob. Jacob. Je répondis. Je répondis. Me voici. Me voici. Il dit. Amen. Alléluia. Nous acclamons, voyons, de lui donner une exhortation pour préparer ton esprit pour l'année 2016. Comme thème, j'ai intitulé la dimension où les rêves se rencontrent. Donne-moi un amen bien pour que je te parle. La dimension où les rêves se rencontrent. Bien aimé, je veux pour commencer dire à quelqu'un que celui qui n'a pas de rêve est semblable comme un homme qui a construit au bord de l'eau sans fondement. Alléluia. Parce que lorsque le vent viendra, le vent va commencer à secouer la maison ne tiendra pas. Pourquoi? Parce que la maison n'a pas de fondement solide. En un mot, celui qui ne rêve pas ne peut pas composer avec celui qui inspire les rêves. Donc il est important dans la vie de rêver. C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un, on n'a pas forcément besoin de dormir avant de rêver. Dis à celui qui est à côté de toi, on n'a pas forcément besoin de dormir avant de rêver. Voici une histoire que j'ai ramassée dans la Bible. La Bible dit que Abraham avait pour père Terach. Or, Terach signifie créateur, dit-on. Alléluia. Le père d'Abraham s'appelait Terach. Terach signifie créateur, dit-on. Voilà que Abraham va grandir dans une maison d'idolâtrie. Alléluia. Abraham ne connaît pas Dieu. Abraham n'a pas la notion de qui est-ce qui est Dieu. Pourquoi? Parce que son père en Israël lui avait enseigné d'autres dieux. Parce que son père avait d'autres dieux qui n'étaient pas le Dieu sacré des Hébreux, le Dieu d'Israël en un mot. La Bible dit que le père d'Abraham qui s'appelle Terach va mourir. Et lorsque le père d'Abraham va mourir, il va partir avec ses dieux. Donc Abraham sera en quête d'un dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Abraham sera dans une vision en quête d'un dieu. Il cherche quelque chose à adorer, mais il n'a pas encore trouvé cette chose qu'il doit adorer. Mais pendant ce temps, Dieu aussi, dans sa volonté, la Bible dit que Dieu cherche un homme. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit que Dieu aussi était en train de chercher un homme. Le rêve d'Abraham, son père est mort, son rêve c'est d'avoir un Dieu avec lequel marcher. Parce qu'il sait qu'en Israël, pour pouvoir avancer, il faut l'accord d'un Dieu.
mais qui est ce Dieu qui va l'aider à marcher? Qui est ce Dieu qui va l'aider à avancer? Donc Abraham était à la recherche d'un Dieu. C'est comme ça, l'aspiration d'Abraham, le rêve d'Abraham va rencontrer le rêve de Dieu. Alors, lorsque les deux rêves se rencontrent, il doit avoir création de la destinée. C'est pour cela, je vais dire à quelqu'un que le rêve que tu as, le rêve que tu manifestes, le rêve que Dieu t'a donné pour rentrer dans la dimension de l'exaucement ou de l'accomplissement est obligé de rentrer en contact avec un autre rêve. Alléluia. Est obligé de rentrer en contact avec un autre rêve. C'est pour cela que vous allez comprendre ceci avec moi. La Bible dit que Adam avait vu les animaux et Adam a remarqué qu'ils étaient deux. Mais il a remarqué une chose, qu'il était seul. Adam aspirait aussi à quelqu'un. Alléluia. C'était le rêve qu'Adam avait. Et dans le rêve qu'Adam avait, Dieu aussi avait un rêve de création. Alléluia. Et Dieu va manifester ce rêve. Le rêve que Adam avait sera en contact avec le rêve que Dieu a. Et Dieu va créer Ève. Lorsque Dieu crée Ève et que Ève vient, Ève sait pourquoi est-ce qu'elle a été créée. La preuve en est, la Bible dit lorsque Adam a vu Ève, il a dit cette fois-ci, voici la chair de ma chair, l'os de mes os, on t'appellera femme. Parce que Ève savait que le rêve pour lequel elle avait été créée, c'était de rencontrer Adam. Et lorsqu'il y a rencontre avec le rêve d'Adam, il y a multiplication. Que celui qui me donne un amen est bien. Vous avez besoin de dormir, mais le rêve éveillé, vous n'avez pas besoin de dormir, vous avez simplement besoin d'élever les yeux. C'est pour cela que vous allez remarquer la différence entre Caïn et Abel. La Bible dit que Caïn était laboureur. Un laboureur, c'est quelqu'un qui est toujours et qui s'affectionne aux choses de la terre. Il est toujours en contact avec la terre. Jamais il n'a l'occasion de lever les yeux. Pourquoi? Parce qu'il est laboureur. Mais la Bible dit ceci, que Abel était berger. Un berger, c'est quelqu'un qui quitte l'horizon. Il voit la vision de loin. Il voit les choses venir de loin. Ce qui ne voit pas, il le voit. Parce que tout est de loin. C'est pour cela, Abel a eu la victoire par rapport à Caïn. Pourquoi? Parce que Abel était un rêveur qui rêvait debout. Abel était un rêveur qui était éveillé. Abel était un rêveur qui savait voir là où il fallait voir les choses. C'est pour cela que je suis venu dire à quelqu'un, si tu n'avais pas encore rencontré l'homme qui avait la partie de ton rêve, après mon message, tu le rencontreras pour ta vie. Joseph, les rêves de Joseph deviennent des rêves. Il a fallu que le rêve de Joseph rencontre celui de Pharaon. Quelqu'un ne m'a pas encore saisi. Il a fallu que le rêve de Joseph rencontre le rêve de Pharaon. Joseph avait rêvé deux fois, mais les rêves n'étaient pas réalisés. Deux fois, les rêves n'étaient pas encore accomplis. Mais lorsque le rêve de Joseph a rencontré celui de Pharaon, parce que Pharaon avait rêvé, et Pharaon n'avait pas le sens de son rêve, il avait même oublié le rêve de Pharaon. Rencontrer le rêve de Moïse. Parce que lorsque vos deux rêves se rencontrent, c'est pour des intérêts communs. Alléluia. Joseph voulait sortir de la prison. Alors il a demandé aux deux fonctionnaires de Pharaon, lorsque vous sortirez, souvenez-vous de moi. Et lorsqu'ils ont sorti, ils ont commencé à dire à Pharaon, nous connaissons un épreuve avec lequel nous étions en prison. Cet homme sera capable de te donner non seulement l'explication de tes songes, mais le songe que tu as eu, il te le rappellera. Effectivement, la Bible déclare, au temps marqué, au temps convenable,
trône royal. J'annonce à quelqu'un, celui qui porte une partie de ton rêve est quelque part, mais il est en train de venir. Ne te dis pas que tu es en train de prier en ce temps en vain. Ne te dis pas que tout est fini pour toi en vain. Mais il y a quelqu'un qui a une partie de ton rêve. Ton rêve, c'est quoi? Tu as un projet d'affaires, mais depuis des années, tu es en train de rêver et tu n'as pas le financement. Mais je dis une chose, Dieu est en train de donner le même rêve, une partie de ton rêve à quelqu'un qui cherche aussi une personne qui veut financer, qui cherche aussi une personne qui veut positionner. Et tu rencontreras cette personne en 2016. Je suis en train de dire quelqu'un, tu rêves de marquer, oui, mais tu ne vois rien à l'horizon. Parce que les gens se disent certainement que tu es en forme. Mais je suis venu te dire une chose, il y a quelqu'un qui reçoit une autre partie de ton rêve. Cette personne est à la recherche d'une femme qui a les mêmes qualités que tu as. Lorsqu'il viendra, il te prendra et te positionnera avant ton mariage. C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un, oui, le chemin de la rencontre des rêves, la destinée se positionne. Ta destinée se positionnera maintenant. C'était de revenir à la position qu'il avait récupérée. Mais pendant ce temps, voici le rêve de Mephibosheth. Une partie de ce rêve sera dans la vie de David. David va regarder, va dire, y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül pour que moi, David, je lui fasse du bien à cause de Jonathan, son père. Une partie du rêve de Mephibosheth était dans le rêve de David. Parce que le rêve de David, c'était de rencontrer quelqu'un qui fasse partie de la famille de Jonathan. Mais il ne retourne pas à cette personne. La Bible dit aussi, appelait-il pas un serviteur de Saül. Lorsqu'il est venu, il a dit ceci à David. Ô roi, je connais un homme qui s'appelle Mephibosheth. Cet homme fait partie de la famille de l'ancien roi. La Bible dit, David donna des ordres pour qu'on fasse venir Mephibosheth. Lorsqu'il est arrivé, David lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras à ma table. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin que tu mangeras à la table du roi.
ministre. Cet homme lisait Esaïe, mais il n'arrivait pas à comprendre les écritures d'Esaïe. Son rêve, c'était le savoir, de décrypter les écritures. Bien aimé, vous ne savez pas combien de fois c'est énervant. Lorsque vous vous mettez à chercher un message et que vous ne trouvez pas la solution du message, ça énerve. Vous lisez, vous ne comprenez pas. Ça irrite l'esprit. Donc j'imagine un peu, oui, le tempérament de ce ministre éthiopien. La Bible dit que lorsque Philippe l'a rencontré, Philippe lui a demandé, lui a posé la question de savoir, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais je n'ai personne pour me donner l'explication. La Bible dit que Philippe a commencé à lui donner l'explication. Il demande à Philippe de monter sur son char. Le rêve de Philippe, c'était d'aller évangéliser. Mais le rêve de ce ministre éthiopien, c'était de comprendre les écritures. Son rêve a rencontré le rêve de Philippe. Une destinée. Je veux dire à quelqu'un, même si l'homme qui porte la moitié de ton rêve se cache en Chine, à cause de la destinée, les traits de la meilleure pour toi encore du soir. L'homme qui porte une partie ou une moitié de rêve de ta destinée, même s'il est aux États-Unis, à cause de la destinée, les traits de la meilleure jusqu'à toi. C'était de voir, mais la Bible dit que Bartimée criait pendant que Jésus passait. Vous savez, lorsque vous criez pour que la personne que vous appelez entende, rassurez-vous que la distance qui vous sépare, la personne peut entendre. Alléluia. Bartimée crie, Jésus passe. Bartimée crie. La Bible dit, plus on empêche de crier, il crie encore plus fort. Jésus passe. Arrivé à un certain moment, Jésus s'arrête. Alléluia. Je ne sais pas à quel niveau de l'exaucement ou à quelle distance de l'exaucement tu es, mais ce que je sais, plus tu vas crier, l'exaucement se rapprochera de toi. Alléluia. Bartimée, on l'appelle de crier, mais la Bible dit, il crie encore plus fort. Et ce qui va m'impressionner dans ce passage, la Bible dit ceci. Bartimée crie, au lieu qu'on parle porter Bartimée, parce que la Bible dit qu'il est aveugle. Ça veut dire qu'il y en a un autre qui ne voit pas. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, appelez-le. Jésus pouvait dire, faites-le venir parce qu'il est aveugle. Mais Jésus ne dit pas cela. Jésus dit, appelez-le. La Bible dit, les disciples font quoi? Lorsqu'ils vont vers Bartimée, il lui dit, à toi de te lever, car il... Et qu'est-ce qui va se passer? Normalement, les disciples devaient prendre Bartimée, mais ils ne le font pas. Ils laissent Bartimée. On ne sait pas comment cela se produit. Mais ce que je sais, par un arrangement divino-divin, Bartimée ne fait pas tout le monde. Et la Bible voit que Bartimée arrive. Lorsqu'il arrive vers Jésus, ce qui va comme impressionner, c'est quoi? Dis papa, qu'est-ce que c'est? Ce qui va m'impressionner, c'est que Bartimée regarde Jésus. Mais je ne sais pas. Je me souviens de ce passage. La Bible dit, lorsqu'on devait venir faire arrêter Jésus, Judas a dit quoi? Celui à qui je vais donner le baiser, ça sera lui. Oh, les gens avaient l'habitude de voir Jésus opérer. Mais comment est-ce que ceux qui avaient l'habitude de le voir ne connaissaient pas encore qui était Jésus? Parce que lorsque Jésus est parmi ses disciples, ils se ressemblent tous. On n'arrive pas à faire la distinction. Mais comment se fait-il que Bartimée, eux qui voient, n'arrive pas à faire la distinction de Jésus avec ses disciples? Parce que vous comprenez avec moi que Jésus, même que la foule l'ait entouré, il a un protocole de 12 personnes. Ce qui veut dire que pour laquelle ce n'était pas chose facile. Mais Bartimée arrive devant Jésus sans l'aide de personne. Et Bartimée reconnaît Jésus. Je me suis posé la question, quelqu'un qui est aveugle, mais comment est-ce qu'il a fait pour savoir que c'était Jésus qui était en face de lui? J'ai compris une chose. C'est baptême baptisé avec la vie. Alléluia. Certainement, à la veille ou avant, baptisé avait un rêve où il avait vu Jésus prier pour lui. Et baptisé
le voir. En pouvoir, il fallait rencontrer l'homme qui donne la vue. Et Bartimée va rentrer en contact avec l'homme qui donne la vue. Or, la Bible dit, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a même prononcé la bonne nouvelle pour faire quoi? Guérir les malades. Donc le rêve de Jésus, c'était de guérir. Le rêve de Bartimée, c'était de voir. Les deux rêves doivent se rencontrer. La Bible dit, lorsqu'on jeta Jonas dans l'eau, l'Éternel Dieu envoya un poisson que Daniel lui-même, l'Éternel Dieu envoya un poisson qui l'a recueilli Jonas. Alléluia. Et le poisson a avalé Jonas. Avant même qu'on ne dépose Jonas dans l'eau, Dieu avait déjà envoyé un poisson pour prendre et pour avaler Jonas. Donc je veux dire à quelqu'un, avant que ton problème ne soit, la solution existait déjà. La Bible dit ceci dans sa parole. Alléluia. Lorsque vous avez une situation compliquée ou difficile, ne vous fiez à personne. Levez simplement les yeux. Regardez à l'Éternel Dieu. Lui, Dieu, il va agir. Alléluia. Regardez simplement à l'Éternel Dieu. Lui, Dieu, il ouvrira les portes pour vous. C'est pour cela que je crois qu'en 2016, les portes maintenant s'ouvrent pour vous. La Bible dit. Le malheur atteint le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur, la Bible dit que le malheur souvent atteint le juste. Quelque chose qui vient souvent, ça veut dire que ce n'est pas périodique, mais toujours, la délivrance est là. Le malheur va se promener, il va se promener dans tout habitant. Lorsqu'il viendra, il trouvera la délivrance. Entre celui qui se promène et celui qui est là constamment, qui est là, qui est là toujours, c'est la délivrance. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, avant que ton problème n'existe, la solution existe déjà. Mais celui qui se tient debout et qui attend le royaume dans le Seigneur, si on se souvient de lui maintenant, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment.
C'est là que j'ai démontré que tu es une femme, que tu es un homme. Et que la gloire de